bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour la guidance de la semaine. Donc, pour les énergies concernant la relation à nous-mêmes, je vais utiliser l'oracle de la lanterne. Alors, pour les énergies avec l'extérieur et avec les autres, donc relationnel avec l'extérieur et avec les autres, le Edgar Allan Poe Tarot. Donc, on entre dans une période plus sombre. Hein. J'ai eu envie de prendre ces jeux-là. Et pour le petit conseil, eh bien, nous sommes quand même dans cette période magique. Le petit oracle de Merlin. Alors, on va voir directement ce que ça donne. Donc, pour les énergies relationnelles, par rapport à nous, en nous, notre relation avec nous-mêmes, ce qui se passe en nous cette semaine, vraiment dans notre relation avec nous. Donc, sans tenir compte de l'extérieur, sachant que l'extérieur peut venir, bien sûr, toucher ce qui se passe en nous, voire être le déclencheur de ce qui se passe en nous. Mais ici, je regarde vraiment les énergies de ce que on nous propose d'aller vraiment voir à l'intérieur de nous, en fait, hein, dans notre relation avec nous-mêmes, indépendamment des autres. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Voilà. Ensuite, maintenant, dans notre relation ou nos relations avec l'extérieur et avec les autres. Encore une fois, comme je vous le dis souvent et comme on peut très, très, très souvent le constater, tout est lié, bien sûr. Et donc, l'extérieur peut venir titiller l'intérieur, mais l'intérieur a bien sûr une répercussion sur l'extérieur. C'est certain. Mais ici, on va aller voir vraiment ce qui peut se passer avec les autres. Dans nos relations avec les autres, avec le monde. Parfois, c'est avec des événements, hein, avec ce qui se passe dans le monde aussi. Ça peut prendre beaucoup de formes différentes, mais c'est les choses un petit peu indépendantes de ce qui se passe en nous. Pour les énergies avec l'extérieur. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, je sais que j'ai utilisé le tarot dans le vlog du mois. Et je m'étais aperçue qu'il y avait des cartes qui étaient à l'envers, donc si jamais il y en a, je les retournerai parce que je ne pour ce tirage en tout cas, je n'utilise pas les cartes à l'envers, mais je m'en suis souvenue seulement que j'avais déjà commencé à battre les cartes et la vidéo, et je les ai pas remises à l'endroit. Je sais pas ce qui s'était passé avec le jeu, je me souviens pas. J'avais dû l'utiliser pour autre chose et ne pas avoir remis les cartes correctement, parce que je remets toujours les cartes correctement dans les boîtes après avoir utilisé un jeu. On va avoir la surprise. On va prendre le petit conseil, le petit bonus qui vient soit appuyer, soit compléter, parfois confirmer, voilà. Le tirage, ou des fois ça nous donne une piste supplémentaire.
Voilà, on va prendre celle-là, parce qu'il y en a quand même toujours une qui a l'air de vouloir sortir. Alors, on va voir ça tout de suite. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Alors, pour ce qui est à travailler en nous, la métamorphose. Ok. Et... Oh, l'inconnu. Connaître l'inconnu. Bon. Je vous montre celle-ci en premier. Donc, l'inconnu. Connaître l'inconnu. Elle me fait vraiment penser à la carte du fou, hein. Je pense que ça va être une semaine assez intense. Et donc, la métamorphose, la voilà. Et nous avons comme phrase, le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Et donc, on voit un feuillage épineux dans les mains du personnage. Je pense que vous le voyez aussi. Et puis, il y a ce fond rouge qui a l'air de l'entourer totalement. Donc, je pense que ça va être intense, parce que ce rouge est quand même intense. Ça va se passer au niveau du cœur. On voit bien qu'il a aussi ce branchage vraiment au niveau du cœur qu'il tient en main, mais au niveau du cœur, du chakra du cœur. Et ce que ça me dit, je pense que c'est vraiment une semaine intense au niveau de notre travail intérieur et de ce qui va se passer à l'intérieur de nous, de notre introspection même. Et où on va vraiment grandir. Parce que je vois ici, on a ce personnage féminin qui contemple une statue peut-être, ou pas, on ne sait pas trop si c'est une statue, mais en tout cas, qui est de beaucoup plus grande taille. Et peut-être qu'elle se dit que ça lui fait peur et qu'elle ne peut pas être... aussi grande que ça, mais si, cette semaine, on va être amené à totalement se transformer et à se rendre compte qu'on a la force et que cette force nous donne le pouvoir, réellement un vrai pouvoir de changer et que ce changement nous redonne le pouvoir et la force, vous voyez, c'est un cercle perpétuel. C'est-à-dire qu'on va oser entreprendre des changements, on va oser se dire que non, on n'est pas tout petit et que non, on n'est pas impuissant face à ce qui se passe dans nos vies et face à ce qui se passe en nous par rapport à ça. On va peut-être avoir encore des remontées émotionnelles. On a quitté la pleine lune, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une période très intense au niveau des énergies, que ce soit par les dates, puisque du 1 du 11 au 11 du 11, et on est en plein dans la période, il y a vraiment... beaucoup d'énergie, c'est presque comme si on avait une lune en permanence. On a eu l'éclipse au moment de la pleine lune. Et on a cette nouvelle lune qui arrive le 13. Donc, on est vraiment encore dans cette période. Et on est dans cette période aussi où le voile est plus fin et où on peut avoir beaucoup d'informations qui peuvent peut-être justement vont nous aider à nous transformer. On va pouvoir canaliser des tas de choses qui vont nous aider à reprendre encore plus notre pouvoir et d'abord notre pouvoir intérieur. Ici, on parle bien de pouvoir intérieur. Mais une fois que vous avez le pouvoir intérieur, en fait, vous avez le pouvoir extérieur. Puisque le pouvoir extérieur, c'est de pouvoir faire face sereinement à ce qui va se passer. Et notamment à vos relations avec les autres et avec l'extérieur. Il ne s'agit pas ici de prendre le pouvoir sur les gens. Il s'agit de prendre votre pouvoir sur votre vie. Alors, de temps en temps,
Ça peut impliquer effectivement que vous vous affirmiez hein, face à quelqu'un ou face à une situation, mais c'est d'abord en vous que ça se passe. Et je vois vraiment cette semaine comme un voyage un peu qui pourrait peut-être nous effrayer, mais nous effrayer dans le sens pas les peurs ou les fantômes, vous savez. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Ou des choses qui pourraient nous effrayer, angoissantes comme des peurs d'enfant, mais plutôt comme, mais est-ce que j'ai le droit de me sentir aussi grande que ça? Qui suis-je, moi, pour prétendre à avoir ce pouvoir, à avoir cette force Vous voyez, c'est plutôt des peurs dans le sens des doutes, plutôt que des peurs qui disent non, j'ai trop peur, j'ai envie de me sauver. Parce que ce personnage qu'on voit là, cette statue, elle n'est pas du tout effrayante. Au contraire, elle a des ailes. Hein, pour moi, c'est un personnage angélique. Et donc, on nous propose, rien que moi, d'aller voir l'ange qui réside en nous, d'aller voir cet ange intérieur qui nous guide et que l'on est vraiment. Cet ange intérieur, c'est celui qui ne nous quitte jamais. C'est celui. C'est notre essence divine. Moi, je le vois comme ça. Hein. Si vous voulez, on peut l'appeler notre âme, on peut l'appeler notre moi supérieur, on peut l'appeler comme on veut. Mais cet ange-là, qui est si grand et qui déploie ses ailes et qui est stable entre ces deux piliers, je le vois comme cet ange intérieur qu'on a comme notre lumière, vraiment. Et cette semaine, on nous propose rien que moins que de nous métamorphoser à partir de cet ange intérieur. Mais vous pourriez peut-être vous dire, non, c'est pas pour moi, c'est trop. Si, et c'est le moment. Alors, on va aller voir ce que ça donne avec les autres. On va d'abord retourner celle-ci. Ah ben, 6 de coupe, c'est plutôt bien ça. Nous avons l'ermite et nous avons le cavalier de coupe. Bah écoutez, peut-être qu'on va être titillé entre deux choses avec les autres. Et peut-être que, comme on va être titillé entre deux choses, il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Parce que, il n'est peut-être pas question de choisir l'un ou l'autre, mais de combiner les deux. Donc, on a cet ermite qui est quand même au bord de l'eau, hein. Et de l'autre côté, on a le cavalier de coupe qui est au bord de l'eau. Donc, peut-être que on va avoir des émotions. Je pense que la semaine va être quand même assez émotionnelle parce qu'on a aussi le 6 de coupe. Donc, cette semaine va être aussi réellement relationnelle. Donc, à la fois, elle va être assez introspective par rapport à vous-même. Mais ce travail que vous allez faire en vous-même de lumière, je pense que l'ermite, ici, il nous le rappelle parce que vous allez certainement avoir besoin de certains moments pour revenir en vous. Ce travail, il va être intense. Et peut-être qu'à certains moments où normalement vous seriez en relation avec l'extérieur, vous allez avoir besoin à nouveau de vous isoler pour faire le point sur vos émotions, mais pas seulement les émotions, sur votre intuition. Mais généralement, l'intuition peut être liée aux émotions. Après, ça dépend des personnes. Moi, en tout cas, elle l'est.
une part de mon intuition, je l'ai sous la forme de ressentis corporels qui sont liés à ce que je ressens par rapport à telle ou telle situation. Donc c'est lié quelque part à l'émotionnel. Même si je peux tout à fait l'en détacher. C'est-à-dire qu'il y a des situations que je vais vivre émotionnellement, je sais que c'est juste émotionnel et que c'est lié à une blessure et que ça, je ne dois pas en tenir compte sur ce que ça me dit peut-être en moi sur le moment. À savoir, non, ça n'a pas lieu d'être. Si, ça a lieu d'être parce que justement, ça te fait voir ta blessure. Mais d'autres situations, j'ai ce ressenti que je peux aussi un petit peu identifier à de l'émotionnel parce que j'ai vraiment un ressenti parfois de malaise hein, par rapport à une situation. Mais quand elle n'est pas clairement émotionnelle au niveau personnel, je sais que c'est mon intuition qui me dit il y a quelque chose qui réellement ne va pas dans cette situation et que je peux changer ou qui doit être changé. Donc, par rapport à ça, vous allez peut-être devoir vous isoler, prendre un peu de recul pour justement pouvoir faire la part des choses. Et d'autre part, on a ce cavalier de coupe qui nous invite clairement, mais très clairement, à aller vers l'autre. Le cavalier de coupe, il vient. Quelque part, c'est l'amoureux. C'est le romantique qui va vers l'autre, qui invite, qui va le trouver. Alors, peut-être même que cette semaine, pour certains, ça va être ça. Pourquoi pas ? Une rencontre, une invitation. Et donc, allez-y. Allez-y, parce que la carte centrale, c'est le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est un échange. On a toujours deux personnages sur cette carte. Généralement, on a un féminin, un masculin. C'est le cas ici. Et on a quand même quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Avec cette notion qui revient du passé, qui revient sur la nostalgie, sur l'enfance. Mais moi, souvent, cette carte dans mes tirages ne me parle beaucoup plus de retrouver ce caractère pur et innocent de l'enfance plutôt que de la nostalgie, vous voyez. Ça me parle rarement d'événements du passé, mais ça me dit souvent, réagis comme tu le faisais quand tu étais enfant et où tu n'avais pas ce mental envahissant qui te disait « Ouais, mais fais attention à ça, et fais attention à ça. » Vous voyez. Et donc, cette semaine, on nous propose avec les autres de retrouver cette pureté dans les relations, dans les échanges. On a aussi, un petit peu comme dans le set de coupes, vous voyez, les coupes, elles sont remplies avec différentes choses. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir de donner ? Qu'est-ce qu'on va choisir de donner cette semaine dans nos relations ? Est-ce qu'on va choisir quelque chose de plus pur ou quelque chose de moins pur ? Vous voyez ? Et allons-y vraiment avec le cœur. Allons au-devant des autres, peut-être dans certaines situations. Dans certaines situations, ça va vous dire c'est à toi d'y aller. C'est à toi d'aller trouver la personne. On a le cavalier. C'est à vous d'y aller, de faire la démarche. Et en même temps, vous aurez besoin de moments pour vous. Mais tout ça dans l'équilibre. Parce que vous voyez, cette carte du 6 de coupe, moi, elle m'évoque quand même toujours aussi un équilibre. Il n'y a pas de déséquilibre dans cette carte. C'est une carte d'équilibre. C'est pas sa signification première, on est bien d'accord. Hein. Moins encore que le 6 de pentacle ou de denier. Et pas non plus comme la tempérance ou la justice. Mais c'est pas une carte de déséquilibre. Déjà, le 6, c'est un chiffre d'équilibre. Donc, un bel équilibre entre
peut-être même du temps pour soi, du temps pour les autres et des échanges qui se font avec le cœur et avec cette innocence, mais dans le bon sens, dans le sens pureté qu'on pouvait avoir quand on est enfant. Et on va aller voir le petit conseil. La magie du feu gagne en assurance. Ah, c'est très intéressant ça. Je vous la montre, que vous puissiez la relire éventuellement. Donc, sous la lueur d'un soleil éclatant, ouvre tes mains, paume vers le ciel. Ressens le feu s'y installer. Deux boules ardentes qui prennent de l'ampleur. Répète-toi, j'ai le pouvoir de tout changer. Ressens comme tu es fort maintenant, tu peux tout changer. Alors ça, si ce n'est pas un message qui vient appuyer cette carte-là, bah, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Hein. Donc, cette semaine, regardez, les mains, on nous propose de les ouvrir. De les ouvrir vers le ciel. De ne pas avoir peur. De montrer notre grandeur et notre lumière. De ne pas avoir peur de montrer notre côté lumineux, notre côté ange intérieur, notre côté divin. On a cette possibilité, et vous voyez, vous allez gagner en assurance. C'est ce qu'on nous disait, le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Et vous avez le pouvoir de tout changer. Bon, je pense que c'est clair. Je ne ressens même pas le besoin de vous le redévelopper. Je vous remets la carte pour que vous puissiez lire le message. Mais tout est dit. Voilà, je vous souhaite une très, très belle semaine de métamorphose et de pouvoir personnel. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.